stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you set me free. Parce qu'en soi, j'ai toujours les mêmes meubles, ça va juste être des éléments de décoration différents, on va dire. On va commencer par mon canapé. Faut savoir un truc, c'est que mon canapé c'est toujours le même, donc il vient de chez Ikea. J'ai juste changé les housses, je vous cache pas que ça me faisait très très peur de mettre des housses blanches avec un enfant, parce que moi j'ai un enfant qui a 3 ans et qui aime trop manger des gâteaux au chocolat. Je précise, c'est très important cette information. J'ai longuement hésité, je pense que ça doit faire 3 mois que je suis dessus, et après je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, on vit qu'une fois. Je me sens bien là dans mon petit canapé. Elias l'a inauguré, hein. J'ai envie de vous dire, forcément c'était trop beau pour être vrai. Mais étant donné qu'elles sont déhoussables, c'est un très gros avantage pour nous les mamans qui sommes très très méticuleuses sur les petites tâches. Dessus j'ai mis des petits coussins de chez Action. Oui, je les ai tous trouvés chez Action. Je suis en train de chercher des nouveaux coussins pour les changer. Là, pour l'instant, je les laisse parce qu'ils vont bien avec le cadre marbre que j'ai mis de chez Desenio. D'ailleurs, il y est aussi dans l'ancien room tour. La table aussi, pas besoin de vous la présenter. Elle vient de chez Pierre Import. Je vous le dis quand même parce que c'est vrai qu'il y avait des trucs que j'avais oublié de vous préciser dans l'ancien room tour. Donc la table vient de chez Pierre Import. Les décos aussi, c'est toujours les mêmes de chez Action. Et puis récemment, je vous avais présenté, vous savez, un petit tapis de chez Amazon, donc grosse surprise. En fait, j'hésitais vraiment à l'acheter chez Maison du Monde et chez Alinéa, il était à 200€. J'ai cherché un petit dupe et j'ai trouvé celui-ci chez Amazon, donc Amazon qui m'a coûté même pas 40€ et il fait largement l'affaire. Surtout que les tapis, ça se change, moi je ne garde jamais le même tapis. En fonction des saisons, moi j'ai grandi dans une famille où l'été t'avais une déco, l'hiver t'avais des saisons différentes. Donc je sais pas pour vous, mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir deux ambiances différentes. On passe à la nouveauté de la pièce, c'est ce lustre, un dupe d'une célèbre lampe, je saurais plus vous dire le nom, je l'avais... une lampe très connue, en plus je vous mettrai le nom juste ici, je l'ai oublié. L'original de cette lampe coûte 800 ou 900€ à peu près, mais celle-ci faisait très bien l'affaire. En plus on n'a pas des hauts plafonds et on n'a pas un très très grand salon non plus pour mettre un lampadaire qui fait je ne sais combien de mètres, sachant que celui-ci fait déjà pratiquement 1 mètre sur 1 mètre. Ensuite on va passer à mon miroir. Je me suis fait charrier par mon cousin qui a constaté que j'avais pas mal de miroirs chez moi. En fait l'avantage des miroirs c'est que ça agrandit les pièces. Donc si vous avez des petites pièces, sachez que si vous accrochez un miroir ou si vous posez un miroir, ça donne un côté plus grand de la pièce. Celui-ci vient de chez Ikea, il a une histoire tellement sentimentale. J'étais enceinte quand on l'a acheté et c'était une galère de le trouver, il est tout le temps en rupture de stock. Il est pas très cher quand même pour la qualité que c'est. C'est le songe, je sais pas comment tu dis ça. Mais en gros t'as deux versions, celui-ci est un qui est un peu plus petit mais qui est tout aussi beau. Et je savais pas où le mettre dans ma pièce. Ce qui fait que j'ai déplacé Monts et Merveilles pour pouvoir l'incruster dans mon salon. Et voilà, le rendu est plutôt sympathique. Je vous explique, comparé à l'ancien room tour, salon tour, aujourd'hui cette pièce, enfin du moins cette table, c'est devenu mon bureau. Et oui, je ne supporte plus être enfermée dans mon bureau parce que j'ai une pièce spécialement pour travailler. Je sais pas pourquoi, ces temps-ci je préfère m'installer ici. Le matin je viens directement, je prends mon café et du coup je me pose tranquillou histoire de bosser avec la vue de mon salon.
Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est devenu mon bureau. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à côté, hein, des stylos, des bloc-notes, enfin bref, mon classeur avec tous mes rendez-vous, etc., etc. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des store bateaux. Je vais vous montrer. Regardez. Vous devez juste tirer sur le fil qui est juste ici pour pouvoir... Ah, merde, là, je l'ai pas remarqué. Pour pouvoir le remonter et le descendre. À chaque fois, il fallait que j'ouvre les rideaux pour pouvoir ouvrir ma fenêtre, etc., etc. Donc, j'ai lâché l'affaire avec les rideaux. J'en ai quand même laissé des blancs ici, histoire de quand même garder cet esprit rideau. Je trouve que les deux ensemble, c'est très joli. Les store bateaux viennent de chez Majura. Ceux-là, ce sont les Carlton, il me semble. En tout cas, c'est des beiges ou des taupes, mais c'est des Majura. Si jamais vous voulez savoir exactement d'où ils viennent, on a adhéré totalement à ce pouf. Je vous explique. À la base, on comptait le mettre sur la terrasse, mais on n'a pas une très très grande terrasse. Du coup, en fait, c'est un pouf de jardin qu'on peut prendre si on veut se poser dehors, mais il est tellement confortable. Quand Elias se réveille et qu'il a envie de porter son petit biberon tranquillement devant des animés, sachez que ce pouf-là fait l'affaire. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Groupon, il me semble. Et puis en plus, il se gonfle avec une pompe, donc c'est très pratique. Et bien entendu, parce que vous me l'avez demandé à maintes et maintes entreprises, mais j'attendais le bon tour pour vous présenter la nouveauté de la maison. Ce buffet qui vient de chez Maison du Monde. Ça faisait aussi encore un moment que j'hésitais, parce que anciennement dans le bon tour que je vous ai fait en hiver, j'avais un meuble TV très bas qui était noir et il a fait son temps, je pense. Vous savez, il y a des choses chez vous qui font leur temps, comme on dit, je sais pas si ça se dit, mais bref. Voilà quoi, il a vécu, on l'a transporté. Non, même pas, on l'a acheté, on venait d'acheter ici. Ouais. Mais je sais pas pourquoi il a vécu autant. Elias. I don't know. Ah, oui, c'est vrai. Elias t'amuse. Et en plus, il est noir laqué. Et le noir laqué, quand tu mets des jouets et que tu passes dessus, ça raye. Tout ce qui est laqué chez moi, j'ai enlevé. C'est incroyable, mais j'ai enlevé toutes mes décos. Tout ce qui était pas utile et nécessaire, en fait, pour laisser que l'utile. Voilà. En l'occurrence, ce petit meuble TV qui a trois portes, il est haut, on pose dessus la télé et c'est plus pratique pour nous parce que comme le salon est de l'autre côté de la pièce, on arrive à voir la télé autant au fond que devant. Cette lampe, je l'ai trouvée chez Vidal XL, je ne vous l'avais pas précisé, mais elle y était dans l'ancien home tour. Maintenant, je vous le dis au cas où, comme ça, je n'oublie pas. Je pense la changer à terme, c'est pas une lampe que je vais garder, mais pour l'instant elle va plutôt bien avec le paysage, donc why not. Cette cheminée, je vous l'avais déjà présentée dans l'ancien home tour, je vous avais montré le avant après et j'ai voulu vraiment un autre style, donc scandinave. J'ai ajouté ce petit tapis que j'ai acheté chez Marjane au Maroc. Je l'ai trouvé à 70 dirhams, donc à peu près 7 euros. Voilà quoi, ça rentre facilement dans la valise. Et je trouve qu'il a totalement sa place dans la pièce. En tout cas, je ne savais pas où le mettre. Anciennement, je l'avais mis dans ma chambre. Et au final, je me suis dit, c'est super mignon pour un petit tapis de cheminée. Donc voilà, manque plus que les cadeaux et le sapin de Noël, non ? C'est très, très, très minimaliste chez moi. Tout comme mon maquillage et ma dégaine aujourd'hui. Hein, je voulais vraiment vous montrer en toute nature la pièce. Enfin, comment j'ai réussi à changer ma déco. En deux temps trois mouvements, c'est ça? Avec juste deux trois décos différentes, on peut vraiment changer la pièce. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le précédent room tour. J'aimerais vous faire un cuisine tour, kitchen tour. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore posé le carrelage. Je pense que je vous ferai même un kitchen tour spécial rangement, comment moi j'organise et tout mes produits. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que vous êtes pas mal à me demander un kitchen cuisine tour. Bref, vous m'aurez compris. Mais là, pour l'instant, on peut pas parce qu'il n'y a pas le carrelage. J'ai juste pas envie de vous bâcler les trucs et vous montrer juste pour vous montrer. Donc voilà, bref, ça arrivera dans pas longtemps, ainsi que les room tours. Ça aussi, il y a 2-3 trucs qui doivent changer par rapport à des tuyaux, étant donné qu'on a pété des murs. Je tiens à vous préciser, si vous venez d'arriver, que on a tout refait. Il n'y a rien, 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 on n'a rien laissé. Et c'est vrai que c'est incroyable quand on est arrivé ici. Je le redis et je le redirai, je pense, toute ma vie. Je suis vraiment fière de ce qu'on a accompli parce que... Quand on était rentré, on avait un gros doute et on s'est dit, bon allez, on se lance. Ça a demandé beaucoup d'efforts, ça a demandé, croyez pas que genre j'ai atterri chez moi et ça ressemblait à ça, non. Je pense que si vous nous suivez depuis très longtemps, vous avez pu voir l'évolution, notamment de la cuisine, du salon, de nos chambres. Ils étaient avec pas mal d'agencements, pas mal de décorations et je pense que même vous le voyez à travers ne serait-ce que comment j'ai changé de place les canapés et la table. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour du room tour version summer. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié peut-être quelque chose, c'est très sûr et certain que j'ai dû oublier des choses. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez peut-être besoin de savoir d'où viennent certaines pièces que je vous ai pas présentées aujourd'hui, vous pourrez trouver peut-être votre réponse dans l'ancien room tour. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé.
ou si vous aimez le résultat de cette pièce. Vous abonner aussi si ce n'est toujours pas fait, à nous suivre sur les réseaux, donc sur Instagram au nom de Louder. Thank you for watching, see you, bye. Sweet voice, then I see your face. I